سينو كل واحد شاف رايه في بلانين نقعد ونعقد ونعقد ونقعد سعود كما وقعنا في المدينه الرياضيه وكما وقعنا في الالعاب المتوسطيه وفي الطقس عاصمه ثقافيه وين نشيروا كاسيو في الطقس نتذكروا في التصفيق في العاب واحد خاف المترو يتعدى المدرب الزاد نتاعه ولا خاف يتعدى المدرب الاجاره نتاعه ولا خاف باش ما يحلوش البرج نتاع شتو ونخرجوا من المورد بلا حمص خلينا نناقشوا بكل رواقه ونسجلوا تدخلاتنا وانا معاك عندك انت والخير صديق مملكتي عندكم جانب في وجهه لكن في 6 فورس كمل الاكسبوزي بتاعكم كمل تفضل la route de Guébès, où il y a la ligne BH5 sur la route.
exercice si on ne fait rien, si on laisse la situation telle qu'elle jusqu'à 2042. Donc en 2042, et avec toutes les politiques que la Sorétras peut adopter et le gouvernement peut adopter pour baisser, en fait, essayer d'ajuster un peu l'utilisation des taxis collectifs, on aura qu'une part de transport en commun de 15% et la part du VP restera toujours à un niveau très important qui est de 64%. Donc il y aura une congestion immense. Donc, là, on s'intéresse à la fréquentation de la ligne de tramway T1. Cette ligne de tramway, la première phase de la ligne de tramway T1, elle attirera en fait en nombre de montées 2682 voyageurs pendant l'heure de pointe et 2436 voyageurs en descente. Donc au total, on aura approximativement environ 5000 et quelques voyageurs pendant l'heure de pointe en 2022. En 2032, lorsque, année pendant laquelle tout le réseau des CSP sera opérationnel, on aura environ 11 000 voyageurs sur cette ligne de tramway T1. Et en 2042, on aura environ 19 000 voyageurs pendant l'heure de pointe. Pendant la journée, juste en fait quelques chiffres clés, en 2022, il y aura 51 429 voyageurs durant la journée sur la ligne T1. En 2032, il y a 118 137 voyageurs sur la ligne T1. Et en 2042, il y aura environ 200 000 voyageurs. Donc, il y a un indicateur d'enquête.